Mister Sydney, une origine américaine, un cheval que les Français ont du mal à comprendre ou à connaître. Comme maintenant, on commence à voir des partants, comment les choses se présentent ? Ben, la même chose. Mister Sydney, c'est un cheval qui est arrivé d'Amérique, que les gens ne connaissaient pas du tout, ne l'avaient pas vu courir. Avec un pédigré magnifique, tu peux difficilement trouver un cheval mieux né que ce cheval-là. Bon, ça va être un peu plus long parce que les gens, au début, les gens sont un peu méfiants, ils ne les connaissent pas, donc ils aiment bien voir les chevaux courir. Ce qui est normal aussi. Mais le cheval a eu des gagnants à 2 ans. La même chose, on a des produits à la maison qui ont l'air encourageants. J'ai une sœur de Trèves aussi par lui qui s'appelle Trophée, qui a couru à 2 ans, qui est deuxième ici dans un très bon lot à Deauville, que j'aime beaucoup, qui est une jument qui a sûrement des moyens. Donc voilà, il faut qu'il saillisse des juments. Et plus il va saillir, plus il va montrer qu'il est capable. C'est un cheval... Il a une qualité pour moi sur sa progéniture, c'est que c'est des chevaux qui sont infatigables. Quand tu les dresses, les poulains, tu les amènes à l'entraînement, tu les dresses, t'envoies certains, si tu veux, au bout de 20 minutes, 30 minutes, ils commencent à fatiguer. Lui, ils sont infatigables, ils ont une énergie extraordinaire. Alors, s'il a les juments qui produisent, il va faire un étalon. Et puis, il est extrêmement bien né. C'est pour l'élevage français, c'est un plus.